Bonjour YouTube, après moult réflexions, j'ai pris ma décision de me retirer de cette campagne et je présente toutes mes excuses au peuple de la non-mort pour avoir... Merci Arkis, merci pour le sub. Je présente toutes mes excuses au peuple de la non-mort pour avoir raté mon rendez-vous avec le chaos et pour les piètres performances de cette campagne. Summon the Elector Count. Merci. Merci Chris Lol, merci pour le Prime et bienvenue. Tu peux encore gagner. Oui, oui, non mais bien sûr. Donc, oui, ce sera la dernière VOD, la Der de Der, parce que c'est pas sauvable. On aurait pu... Je crois que c'est une campagne en chaos x10. Il doit y avoir moyen. Très honnêtement, il doit y avoir moyen. Mais franchement, il faut être chaud du slibar à mort dès le début de la campagne. Pas tâtonner au début et se demander un petit peu quoi. Et ne surtout pas faire l'erreur gigantesque que j'ai commise durant cette campagne. C'est-à-dire partir du principe que potentiellement, l'Empire et les Bretonniens allaient opposer une petite résistance au chaos. Ce qui allait me permettre de me glisser un petit peu dans la baston et de profiter de la situation pour taper là où j'avais des opportunités. Sauf qu'en réalité, ben, les impériaux, les bretonniens et les nains, tout comme le chaos, n'en ont strictement rien à foutre et n'ont qu'une seule idée en tête, c'est venir danser sur ma tombe. Donc non, c'était pas le bon choix, c'était pas la bonne strat. Alors voilà, on va faire une petite heure d'essais divers et variés pour voir ce qu'on peut encore faire. Peut-être pour voir ce qu'on peut potentiellement trouver comme strat intéressante et voir ce qui va se passer avec la Bretonnie et ce genre de trucs. J'ai des seigneurs dans la poche, il faut que je les reprenne. Vlad notamment. Voilà, merci beaucoup. Je n'ai plus de thunes. Voilà. Donc en fait... Ah mais... Attendez. Si je fais ça... Oh mais même mes armées sont amochées quoi. Voilà, là je suis à plus 1700. Et puis des rébellions. Non mais oh, sérieusement quoi. Donc je pense qu'en fait pour réussir cette campagne, à mon avis... Ça doit être faisable, mais il faut, dès le début de la campagne, rusher l'Empire. Et il faut avoir tout l'Empire quand le chaos débarque. Peut-être même la Bretonnie. Et il y a moyen, hein, parce que ici, au début de campagne, j'avais été assez vite pour prendre, grâce à la Confédération avec Manfred et tout, j'avais quand même été assez vite pour prendre une belle petite portion de territoire. Et en fait, à ce moment-là, j'aurais dû rouleau compressé. Si, si, ça se dit. Tout l'Empire quoi, j'aurais dû m'étendre et brum, le rouleau compresseur qui prenait tout l'Empire et là c'était réglé quoi. Et ah oui c'est la première vague, donc effectivement on va repartir avec une autre campagne, mais je sais pas si on va tenir une heure de VOD pour ça. Parce que c'est vraiment la fin en fait. Ah non mais ils me rushent mais comme des malades. Donc il faut le chaos x10, il faut le tester avec une faction. Bon qu'on maîtrise un peu plus. Moi les vampires c'est clairement pas... C'est pas là où je brille. Bon je sais que là vous allez tous dire que... Où est-ce que je brille exactement? On ne sait pas. Mais voilà, donc on essaiera avec les elfes sylvains. Elfes sylvains, je crois qu'ils ont quand même un bon potentiel pour défaire le chaos parce qu'ils n'ont pas d'artillerie. Mais par contre, en termes de puissance de tir, si on entraîne bien ses armées et ses seigneurs avant que les elfes sylvains, avant que le chaos n'arrive, les elfes sylvains ont la mobilité et la puissance à distance, deux choses que le chaos n'a pas. Donc ça peut être particulièrement violent. Super, super, super. Alors attends, toi tu descends. Ah, on va essayer d'avoir la bataille finale à Drakenhof. Au moins ça.
Allez, on prépare un baroud de donne. Ah! Oh mais putain! Ah ben oui, mais des os. Roi. Ah, je peux pas. Ah oui, si, je pourrais la remplacer, mais non, on s'en fout. Et j'ai plus de thunes. Allez, c'est bon. Je joue Nakai sur la prochaine. Ah ben... Oh, Nakai en KO x10. Oh, quelle horreur. Les elfes sont... Les elfes noirs sont pas si mal contre le KO. Merci. Ferno, merci pour le Prime, pour le resub. Les elfes noirs sont pas si mal contre le chaos. Les elfes noirs ont des trucs plutôt sympas à faire valoir contre le chaos. Bon, ils ont beaucoup de tirs perse armure. Mais par contre, pas du tout la mobilité des elfes sylvains, ni la distance. Hein. Les forestiers, on va pouvoir s'amuser un petit peu avec tout ça, avec les elfes sylvains, parce que les forestiers, avec Orion, buffés à fond, ont une portée de malade, un nombre de munitions de cinglés, et une puissance à distance qui est complètement dingue. Et donc vraiment, ils peuvent bourrer des armées avec des forestiers, ça peut faire des trucs assez insane, et à ce moment-là, il n'y a plus qu'à avoir quelques unités d'infanterie de contact pour empêcher l'armée adverse d'avancer, et puis tout est sur le kite, tout en souplesse. Alors bon, par contre, ça va demander une micro-gestion plutôt solide, ce qui tombe fort bien, puisque c'est ma très grande spécialité, comme vous le savez tous. Si tu n'as plus de munitions, tu es dans la merde. C'est tout à fait vrai, mais c'était valable aussi avec l'Empire. Mais c'est pour ça qu'il y a tout ce qui est technologie et les bonus de seigneur qui augmentent les munitions, bah, qui permettent de pallier ce problème. L'Empire, c'était juste pareil. Hein, c'était sur les unités de tir qu'on reposait notre puissance de feu. Et donc, effectivement, il fallait toutes les technologies du monde pour ça. Ah mais il a l'attaque éclair lui. Oh là là, il y a quand même une belle défense. Hein. Allez non, on va attendre, juste histoire de faire pour le principe. Moi je propose que tu joues le KO avec KO x10. Je me demande ce que ça donne si on lance le KO... si on lance une campagne du KO avec le KO x10. Summon the Elector Counts. Merci Mad Wolf pour le resub, pour le Prime. Toujours un plaisir de te suivre depuis tes débuts sur YouTube. Mes débuts sur YouTube? Ah oui, alors c'est long. Bah 3 ans. Ouais, ça doit être ça. Tu vas tellement galérer pour démarrer les elfes sylvains, oublie pas que tu peux pas confédérer tant que tu n'as pas le chêne des âges level 3. C'est vrai que la campagne elfes sylvains n'est pas si facile que ça dans son déroulement au début. Avant l'arrivée du chaos en fait, n'est pas si facile. Parce qu'on est vachement vulnérable quand on sort d'Athel Lorraine au final. Et les avant-postes sont pas possibles à tenir. Les territoires elfes sylvains, c'est de la chips. Ouais, c'est ça, en dehors d'Athel Lorraine, c'est bah, tout le principe. Hein. Mais... Ouais. J'ai fait une campagne Elfes Sylvains il y a quelques 2-3 mois.
en légendaire et du coup une campagne qui s'était plutôt bien passée malgré effectivement que j'avais eu 2-3 revers pas piqués des hannetons. Allez, on veut la bataille finale nous. Salut Akumetsu, premier live et bienvenue à toi. KO x10 avec la Norska, mais ça doit pas être... Mais KO x10 avec la Norska, je sais pas si ça marche. Parce que vu que la Norska c'est scripté avec le KO, je sais pas si ça marche. Mais attends, il vit toujours le duc écarlate? Qu'est-ce que c'est que ce problème? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Non, ils attaquent pas, je sais pas pourquoi. Bah, Drakenov, c'est quand même solide. Hein. Mais incroyable, ils sont passés sur les côtés comme ça de Drakenov. Parce que là, en fait, si je contre-attaque avec Vlad, là, il va. Effectivement, la vague est passée, quoi. Ouais, il y a quand même des factions qui commencent à être. Ah, le Talabek Land! Donc, le Talabek Land, c'est quand même là, quoi. Donc ils avancent quand même vers vers le Reikland quoi. Oh le vent de mort devant les murailles, je veux voir ce que ça donne. Il y a une annonce sur Warhammer 3 non, pas que je sache. Je vois plein de gens en parler. Non, c'est juste qu'il y a pas mal de spéculations pour le moment. Sur Warhammer 3, mais non, il n'y a pas d'annonce officielle pour le moment. Tu vas le faire en Proving Grounds? Oui, je voudrais bien voir ce que donnent les elfes sylvains sur Proving Grounds. Effectivement. Voilà! 4 armées, j'imagine. Oui, remplies de saloperies, et ben allez. La bataille finale, oh bah ce sera une VOD courte. Hein. Mais pas dit qu'on aille beaucoup plus loin après, parce que bon, ça n'a pas d'intérêt. C'était histoire de clôturer en bonne et due forme. Il faut faire, voilà, parce que échouer, c'est une chose. Mais il faut tirer les leçons de son échec. Et surtout, le plus important, il faut admettre publiquement ses erreurs. Ça, c'est très très important dans notre société moderne. Et s'excuser. Face à son électorat, face à ses fans, et être et promettre que plus jamais ce genre d'erreur ne se produira. C'est pas vrai, mais tout le monde s'en branle. L'important c'est qu'on s'excuse. Le reste, bon, on s'en tamponne. Hein. Mais il faut s'excuser, ça c'est important. Ça c'est vraiment, il faut absolument. Allez, tous les Gugus à armes lourdes. Ou presque. Sur les murailles, parce que c'est eux qui vont le mieux accueillir ces emmerdeurs. Les Vargeist, oui. Ouais, les spectres, ils pourraient se mêler à la bagarre sur les murs, tiens. Et ça, c'est... Qui c'est? Buveur d'esprit, on s'en fout. Allez, profitons de cette bataille. Ah tiens, c'est quoi? Non, les défenses sont pas niveau max. Mais c'est quand même un peu... elles sont un peu buffées. Elles doivent être niveau 4, 3. Le pire, c'est que cette bataille-là, elle est gagnable. Peut-être. Oh, ça défonce les tours!
La vache, elles sont déjà super amochées. Pourquoi je fais pas ça? Eh, c'est quoi ça? Le bâton de damnation. Plus 40 d'attaque de mêlée. Affecte les alliés à portée en plus. La vache. Attends, mais toi, il faut que t'ailles sur le mur. C'est quoi qui vient de lancer sur cette... Non! Oh, il vient de tirer dessus. La seule... Putain, mais encore cette malédiction des tours de merde qui passent alors qu'il leur reste 2 points de vie. Oh, mais je déteste ce système de défense. C'est pas grave. On perd de toute façon. C'est pas un problème. Eh mais ça tape du buveur d'esprit quoi. D'accord. Eh oui mais en fait, attendez. Pas du tout. Qu'est-ce que je suis en train de faire? C'est la défense de ville pour pouvoir lancer du truc que je dois faire. Voilà, empêcher ce truc de tirer. Eh, il a déjà plus beaucoup de munitions. Plutôt une bonne nouvelle. Ah, j'aurais pu sortir les cavaliers aussi pour les emmerder. Ah, c'est pas encore trop tard d'ailleurs. Visiblement, ils se tracassent pas tellement de ce qui se passe ici. Ouais, bon, allez, retenez-les. Ah. Formez le sac. Formé, j'allais dire le sac à viande, mais pas tellement. Faut quand même neutraliser ce canon, madame. Si on ne le fait pas... Qu'est-ce que je viens de faire? Ok, toi faut que tu t'en ailles. Ok, c'est bon, ils sont dessus. Ils vont souffrir. Les sacs d'os, oui, c'est ça. Pas les sacs à viande. Bon allez, venez, c'est bon quoi. Noble of the night. Vampire. We are the new order. Allez, on veut au moins un vent de mort. Sur un gros blob. Là, y a rien, quoi. Ah, les enfoirés, ils ont piqué mes trucs. Oui, forcément. Oui, mais alors, je vais être vulnérable au canon. Visiblement, c'est au-delà de leur force, hein. Putain, mais elle est toujours là, elle. Ah, mais d'accord. On empêche une vampirette de plus. Ça ne se refuse pas. Même si elle est pas forte. Très peu expérimentée. Vu que c'est les personnages qui font le plus gros boulot. Ok, elle est définitivement coincée là. Bon, c'est pas grave. À la rigueur, très bien.
Bon, si vous pouviez dénier... Je vais être obligé de claquer de l'abîme de noirceur. Hein. Tu sais, ça fait quoi de l'abîme de noirceur sur des rejetons? Bon, il y a quelques chevaliers, mais pas grand chose. Par contre, il y a quand même 3 unités de rejetons. Lancer tier 2. Ouais. Non, pas tant que ça. En termes de points de vie enlevés, pas tant que ça. Ça fait beaucoup plus mal sur si ça avait été de l'infanterie. Donc ok, c'est toujours bon à savoir. Quand vous ferez votre propre campagne KO x10, vampire de PGM, ben vous le saurez. Oh, elle vient de terrasser un troll, elle. Et quoi, et c'est tout? En fait, ils vont mourir en boucle. Ah là, il y a peut-être. Ah là, il y a peut-être. Attendez. Oh là aussi, là aussi. Il va rebondir sur le mur. Attention, les expérimentations à la con. C'est maintenant. Oui! Ah mais après il fout le camp. Oui c'est vrai. Donc le mur ça compte pour du... D'un coup ça n'a rien donné. Donc le mur d'enceinte compte pour un truc sur lequel ça rebondit, mais pas jamais les bâtiments à l'intérieur. Jamais, à aucun moment. Bon pourquoi pas. Ok, on va essayer de faire blober à stock autour de Vlad en fait. Mais si elle pouvait aller se mêler au truc, ce serait parfait. Qu'est-ce qu'elle fout là? Mais pourquoi elle est là? Putain, je peux pas lancer le truc à côté. Oh, il peut relancer un petit vent de mort. Ça bloque pas assez, hein. ça va pas être extraordinaire encore. Hein. Par contre, ça va permettre à... Oh mais la vache, mais j'en peux plus, mais non mais c'est de la merde. Mais sérieusement, ça ricoche quoi, comme ça. Mais c'est pas un vent de ses morts, c'est une balle magique. Mais non, mais quel enfer, quoi! Et du coup, elle est coincée. Et bien, du coup, elle est coincée. Et ben voilà. Et ben bravo! Mais qu'est-ce qu'elle a été foutre là-bas? Et ben oui, et ben oui! Summon the Elector Count! Merci KCDP pour le resub. Oui, du sel, bah oui, mais... Ah, quand même. Ah. Mais là, du coup. Qui a fait ça? Ça sert au moins à quelque chose. Elle est là, elle. D'accord. Allez hop. Déjà? Ouais mais ça revient super vite en fait le vent de ses morts. Ouais mais c'est combien le vent de ses morts au niveau 2? Plus que ça apparemment. 21.
Mais oui, mais c'est de la merde. Oh, le ventre, c'est mort, mais c'est nul en siège, en fait. C'est impossible à lancer correctement, hein. Je m'excuse. Et le pire, c'est que ça fait rien en face, quoi. Beaucoup plus de morts dans mon camp. C'est pas grave. Ah mais donc le vent de mort, c'est... Non, c'est de la merde, en fait. En défense de siège, c'est nul. Ça blobe jamais assez et jamais comme il faut, quoi. Mais l'abîme de noirceur, par contre, là, devient bien. Mais elle est redescendue. Oh là là, ça doit être quand je fais des sélections de zone. Qu'à chaque fois elle se fait... Ah ! D'accord. Si vous vous dites que je ne suis pas du tout concentré et que je fais n'importe quoi, allez le dire sur Twitter. Si vous le dites ici, là maintenant, je ne comprendrai pas ce qui se passe. Mais la vache, ils sont quand même en train de crever en boucle face à Vlad et la vampirette buffée corps à corps, quoi. Parce que, mais... Non, ils font rien. Ils font rien du tout. Hein ? Bah non, 190 kills, c'est même pas tant que ça. 30, 40. Mais qui fait tous ces kills, alors ? Enfin, Vlad qui en a fait 100, ok, d'accord, mais pas 200. Bon, là, on est d'accord que ça. Ah, normalement, ça doit en faire, quoi. Qu'est-ce qu'il y a? Le décompte? Bah oui, le décompte, vous croyez quoi? Que je l'avais pas vu? Bah oui, mais voilà, mais bon. Hein, on va pas en faire un plat. Faut bien qu'elle s'achève, cette bataille, cette campagne. J'ai tweeté. Bravo. Félicitations. Bon, bah écoutez, on va s'arrêter là pour cette campagne. C'était quand même juste histoire de faire une VOD pour expliquer. C'est important parce que sur YouTube, si je ne fais pas ça, parce que bon, là, les gens vont gueuler parce que ça va faire une VOD de 30 minutes qui ne ressemble à rien. Et c'est pas faux. Mais si je ne le fais pas, mettez-vous à ma place. Si je ne le fais pas, pendant les 6 prochains mois, tous les 2 jours, je recevrai un message sur Twitter, sur Discord, sur YouTube, me disant « Pourquoi elle a arrêté la campagne de Vlad ?» Tous les 2 jours. Alors que là maintenant, les gens vont râler en disant « Putain, c'est de la merde la dernière VOD de Vlad !» Mais au moins, ça ne durera pas aussi longtemps. Ça ne durera que quelques jours après l'upload de la VOD. Mais après, ce sera terminé. Donc vous voyez, pour... Comme vous êtes nombreux, je dois apprendre à m'exprimer à vous. Et ça, ça fait partie des enseignements que j'ai tirés au fil du temps, voyez-vous. Si vous-même vous voulez vous lancer sur Twitch, c'est le genre de choses qu'il vaut mieux savoir. Attendez. Juste au cas où, enfin bon. Ouais, parce que là on va pas attendre l'écran de fin quoi, c'est bon, ça va juste être chiant, ça va juste être passé les tours jusqu'à ce que... Sinon ça va chez vous? Votre cousine va bien? T'avais dit à 700 on veut les elfes. Oui, oui, non, mais tout à fait. Et je maintiens. Mais on n'y est pas.
Le doudou annulé. Bah oui, mais tout est annulé de toute façon. On pourrait peut-être avoir l'écran de fin. Allez, là, là ce serait vraiment la fin propre. On a quand même tous appris aujourd'hui, les murs rebondissent, mais pas les bâtiments. Exactement. Putain, mais vous allez le faire, bande d'enfoirés. C'est incroyable, ça. En fait, je vous taunt en mode, si on est 700, go campagne Elfe Sylvain. Et du coup, vous le faites. Je crois que je viens de percer un autre mystère, un autre secret de Twitch et YouTube. Bon, à 900 views, alors à 800 viewers, je fais un concours d'anecdotes avec McFly et Carlito. À 900, je vous monte ma tub, ou l'inverse, je ne sais pas, on verra. Et à 1000, alors là, je vous révèle tous mes secrets d'optimisation fiscale. Oh, le clan Skrir ! Quoi ? Mais il reste qui de vivant ? Les elfes sylvains, hein, c'est quand même la preuve que c'est le bon choix. Oh, mais tout le monde se fait bourrer! Oh, et l'Empire est où? 15. T'es en guerre contre tout le monde aussi. Bah, ah oui, mais en jouant vampire, c'est pas évident de faire autrement. Il n'y a plus d'elfes. Il n'y a plus de hauts elfes. Ah non, non. Il n'y a plus de hauts elfes. Mais en même temps, les hauts elfes, c'est vrai qu'ils prennent, ils prennent la vague du chaos de plein fouet. Hein, parce que eux, ils en prennent du nord et du sud en même temps. Et vu qu'Ultuan, c'est un donut flottant, bah forcément, ça arrive de partout. Et du coup, à défendre, c'est ultra relou. Hein. Parce que les armées viennent de loin sans qu'on les voit venir, en fait. Ce fut une belle campagne. Mais oui, mais ce fut une belle aventure. C'est toujours ça l'important. Ah mais en fait, quand j'avais l'impression qu'il faisait du hard focus sur le joueur... Non, par contre, l'IA qui continue à faire le hard focus sur le joueur alors que ça n'a aucun sens, c'est genre la Bretonnie ou les nains, quoi. Bretonnie ou nains qui continue à me focus. Alors que le chaos x10 arrive... Bah, ils auraient pas été en état de résister de toute façon. Mais qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Je sais même pas comment vous faites. Allez hop, le Wissenland qui y passe. Mais par contre, ça nous. Bah, par contre, ça montre bien, parce que c'est la première campagne KO x10 que je fais. C'est toujours bon à savoir. Il n'existe aucune faction, surtout en Proving Grounds, parce qu'à la limite, on aurait pu avoir des événements un petit peu différents sur le Vanilla. Mais là, ça nous dit bien que sur Proving Grounds, aucune faction ne survivra au chaos x10 si on ne le gère pas nous-mêmes. Si tu gagnes les elfes sylvains, tu seras seul au monde. Bah donc ça veut dire que pour les elfes sylvains, c'est quand même important d'avoir cette information en poche, il faudra que j'envoie mes armées pour essayer de spawn kill le plus d'armées du chaos possible. Obligatoire. Ah ! Mais vous êtes des enfoirés ! Bon d'accord, allez c'est bon, on va sur les elfes, je vous l'ai promis. Il est fin prêt, tout le monde est fin prêt à faire sa campagne elfe. Qu'est-ce qu'il me reste? Deux trucs qui ne sont même pas attaqués. Bon bah alors, ah si si.
Le Mangunbad, il l'est. Eh ben très bien, écoutez YouTube, on va s'arrêter là. Toutes mes excuses. N'hésitez pas à manifester votre haine pour cette VOD de, d'à peine 35 minutes sur Twitter, c'est très important. Et dans 3 jours, quand vous serez passé à autre chose, eh bien, vous, on se retrouvera sur la campagne KO x 10, Elfe Sylvain. À très bientôt, bonne soirée et bon confinement à tous.